Vous avez ici un tiroir à nu avec une clé et une poignée. C'est en fait un moniteur Marshall 17 pouces à blocage à plat. Je l'ouvre et s'allume automatiquement. Immédiatement, on voit la version de soft et il s'allume sur l'image. C'est un OS propriétaire, ce n'est pas un Windows, cela prend donc un très très peu de temps à l'allumage. C'est un 17 pouces 16 neuvième avec une dalle à résolution 1920x1200. C'est donc une résolution native. Et vous avez aussi le système des IMD Marshall, c'est-à-dire la possibilité d'afficher les remontées de caméraman, d'information, les tolis, etc. Le moniteur possède aussi ses propres tolis à l'extérieur et les IMD dans l'image. Le moniteur est en entrée SDI, HDSDI et graphique. Je vais le fermer et vous allez voir le processus extinction automatique parfaitement à plat dans son tiroir. Je ferme le tiroir et je peux verrouiller. Quand il est intégré dans un car, à ce moment-là, il ne risque pas de s'ouvrir pendant le trajet du car. Mais en même temps, il est bloqué et il faut avoir une manipulation manuelle pour le débloquer, ce qui permet d'éviter les problématiques d'ouverture intempestive. Vous remarquez que le boîtier est fermé. Le but, c'est de protéger le moniteur, mais aussi les nappes qui sont à l'intérieur. Vous pouvez très bien avoir ici des serveurs, d'autres types de racks qui peuvent être ensuite camouflés par le moniteur. C'est aussi un avantage important. Ici, le moniteur est aussi basculable un peu en avant et tous les boutons de réglage que vous ne voyez pas d'où vous êtes, mais ils sont accessibles d'ici, que ce soit les entrées, les mémorisations, les rapports de contraste, etc. Et les entrées sont sur l'arrière, ici, avec une nappe qui est connectée sur le fond de panier. Et vous, vous ne vous occupez pas de l'arrière du moniteur, mais du fond de panier dans les intégrations.